Notre ancien président disait que la clé pour réussir, c'est de travailler plus pour gagner plus. Ça peut être vrai, mais en réalité, il y a une vraie erreur de raisonnement ici. Effectivement, au début de ta carrière ou ton projet pro, plus tu travailles, plus tu vas générer de résultats. Mais au bout d'un moment, t'as beau travailler plus d'heures, t'es pas forcément garanti que ton input soit équivalent à plus d'output, que ton entrée soit équivalent à plus de résultats. Et une des choses qui est contre-intuitive, qui est d'ailleurs gravée sur un de mes jeux d'échecs dans cette même pièce, c'est que l'art de la guerre, c'est pas de gagner toutes les batailles, l'art de la guerre, c'est de gagner les quelques batailles qui comptent. Sous-entendu, l'art de gagner, c'est pas d'être bon à plein d'endroits, c'est d'être bon à un seul endroit et de dire non à la grande majorité. Et donc le paradoxe de la réussite, c'est pas de faire plus de choses, mais d'avancer sur les quelques petits trucs qui, si tu les fais, vont changer la donne.